ici, j'accepte. Tu ne manges pas ici, j'accepte. Pour arriver là. Quand son temps est arrivé, il m'a dit, tu sors maintenant. Il y a une femme qui m'a écrit, elle a dit, elle s'appelle Blé, ou c'est Blé, Blé Brigitte. Voilà, la maman d'Apoutou National. Apoutou National, voilà. Cet enfant-là, je l'aime bien, hein. Mais je dois dire ce que Dieu me demande de dire. Je n'ai rien contre cet enfant, j'ai des enfants. Mais là où elle est partie se baptiser, là, la piscine, là, des serpents. La piscine, là, quand tu rentres dedans, il y a des alliances en bas de cette piscine. Vous voulez que je ne dise pas ce que je vois? Elle a dit, elle a fait un commentaire. Et ça, on dit qu'elle est prophète. Elle ne sait pas ce qu'elle a écrit. Mais j'ai demandé, j'ai imploré plutôt la miséricorde de Dieu dans sa vie. Parce que demain, quand elle aura les larmes en train de pleurer comme ça, elle dira que il y a une servante qui a parlé. Mais j'ai négligé. Peut-être, elle est naïve. Peut-être son fils est naïf. Mais les gens qui sont allés l'initier dans l'eau, là, ils savent ce qu'ils ont fait. On vous dit, c'est quel genre de baptême? Vous savez ce que ça veut dire que baptême par immersion? C'est signé. Vous savez ce que ça veut dire que baptême par immersion? Quand Jésus est rentré dans le baptême, c'est là où son ministère a commencé. Tu révores le monde. Tu renonces le péché. Mais attends, on ne peut pas entrer dans le baptême demain, on est dans les boîtes de nuit. C'est pour, vous voulez embrouiller les cerveaux des gens. Pourquoi? Je n'ai pas écouté. Maintenant, Apoutou, là, depuis qu'elle fait, vous m'avez déjà vu parler sur Apoutou. Mais ce qu'elle a dit qu'elle est devenue chrétienne, ce qu'il a dit qu'il est devenu chrétien, là. On est ici. Si je mens, on est ici. Je n'injure pas cet enfant. Et je ne peux jamais l'injurier. Pourquoi? Il m'a fait quoi? Mais ce que j'ai dit, là, je suis mandaté pour ça. Si je vois, quand Dieu me ramène une vidéo, si je ne parle pas, le sang ira sur ma tête. Ce qui cause, ce qui arrivera à cet enfant demain, je serai responsable parce que Dieu m'a dit de parler. Voilà. Donc, à moi de parler, à Apoutou National, dites ça à sa maman. Ils ont les droits d'écrire. Je ne fais pas le bras de fer avec quelqu'un. Maman, si j'étais offensée, pardonne-moi. Mais ce qui était dit là, c'est pour aider ton fils. Tu n'as pas compris. N'écris pas en désordre sur ma page. Pitié, que Dieu te pardonne. Fais attention. Ne crie pas en désordre sur ma page. Sinon, tu auras des problèmes. Pas bon. Je ne suis pas les Mohamed Sanogo. Je ne suis pas les Ivan Castano. Je ne suis pas tous vos gens-là qui vous bluffent les yeux. Je ne suis pas là pour vous bluffer. Tu sais, vous savez, je vais vous dire, maman, j'ai même pas une voiture, je marche à pied, vous avez tout. Tu te permets de venir m'écrire en désordre. Fais attention, maman. Je ne fais pas la concurrence sur Facebook. Attention. J'ai imploré la miséricorde de Dieu parce que toi-même, je t'aime beaucoup. Attention. Toi-même, je t'estime beaucoup. Si tu étais méchant, j'allais te dire, tu es très méchant, mais je ne vois pas ça. Tu es quelqu'un de bien. Mais c'est la naïveté qui t'amène à écrire ce que tu as écrit. Je n'ai pas vu en toi la méchanceté, maman. Si je voyais la méchanceté, j'allais dire que tu es méchante, mais je ne l'ai pas vue. Tu es quelqu'un de bien. Donc attention, n'écris pas sur ma page, maman. Tu m'as vu injurer ton fils. J'ai dit là, t'as la cour des pasteurs, j'ai dit, et je ne révoque pas. Les pasteurs là sont faux. Ils sont en train de tromper ton fils. On veut l'amener où? Tu ne comprends rien, maman. Tu ne comprends, demande pardon à Dieu dans ta chambre. Hein? Pas à moi, dans ta chambre. Hein? Maman, demande pardon à Dieu. Et que Dieu te bénisse. Ce qui va arriver à Apoutou, maman ne pleure pas parce que j'étais averti, tu as été au courant. Écoute, je vais vous dire, dans la franc-maçonnerie, il y a ce qu'on appelle, il y a des gens qui sont allés demander, voilà, comme la fille là, que hier j'ai délivré là. La fille là que j'ai délivrée, on voulait la tuer. C'est parce qu'il y avait la main de Dieu et qu'elle aimait Jésus. Mais si elle n'avait pas Jésus là, elle faisait quoi? On l'aurait éliminée depuis. Et pourtant, elle n'est pas entrée dans la loge. Mais seulement parce qu'elle est dans le cadre. On veut finir avec elle. Alors, maman Blé Brigitte là, je ne fais pas le baisse, je ne suis pas là pour le baisse. L'enfant là, Apoutou là, on risque de descendre Apoutou. De la même manière, vous avez vu Cabrel est mort là, Apoutou risque de mourir pareil. Pourquoi? Parce que Apoutou là est naïf. J'ai dit qu'il est naïf. On l'a flatté, on l'a amené dans la piscine. La piscine là, il y a les alliances dedans. La piscine de Mohamed Sanogo là, il y a les alliances dedans. La piscine de Mohamed Sanogo là où tu baptises là, il y a les alliances dedans. Et la piscine de...
Marcelo, il y a les alliances dedans. La piscine de Jérémy Soudiri, il y a les alliances dedans. La piscine de comment vous appelez, c'est M, quoi là. Voilà, Jérémy Soudiri et qui encore? Castano, il y a les alliances dedans. Y compris votre père Karambidi, qui avait mis Burkina, tu avais mis le Burkina Faso en captivité. Et le Seigneur, elle récupérait le Burkina Faso. Maintenant, je m'adresse maintenant, maman Blé, si tu aimes ton fils là, si tu aimes ton fils, faut prier pour lui. Faut prier pour ton fils, sinon tu vas mettre les mains sur la tête. C'est que Dieu ne m'a pas appelé, c'est que tu vas crier. C'est que c'est toi qui vas enterrer ta fille, c'est toi qui vas enterrer ton fils, c'est pas ton fils qui va t'enterrer. C'est ça le malheur. Ça sera très douloureux pour toi. Je m'adresse à Blé. Son fils est naïf. Le baptême là, ce n'est pas un baptême normal. Le baptême là, je l'ai dit, ce n'est pas un baptême normal. Il y a qui là? Vous appelez Emma Louest. Emma Louest est quoi? Est franc-maçon. Emma Louest est franc-maçon. Je vais vous dire, parmi vos gens là qui font le buzz là, vos gens qui font le buzz, il y a des gens qui marchent avec certaines personnes mais ils ne savent pas ce qui se passe. Ils marchent avec certaines personnes, mais ils ne savent pas avec ces excuses. Il y a des gens qui ont la main pour prendre et donner en dessus. Ils ont la main pour prendre et donner en dessus. Donc, ils sont comme un passage. Voilà, on passe par eux pour éliminer les gens. Donc, Emmanuel, c'est un passage dans le monde satanique. Il y a des gens qui sont là pour livrer les autres. Ma mission, c'est de dévoiler ces gens-là. On a maintenant flatté Apoutou. Voilà le second gibier. De la même manière, on a flatté Arafat. À la même manière, on a flatté Arafat, on a tué. On veut tuer Apoutou pareil. Ces messieurs, son sang est déjà entre les mains. Ils ont déjà mis les insignes. Si vous n'arrêtez pas l'hémorragie, vous allez crier. Ils vont retarder parce qu'ils savent que j'ai vu. Ils vont venir retarder pour faire semblant. Parce qu'ils savent que j'ai vu. Ce que je dis est vrai. Ils savent que ce que je dis est vrai. Vous savez, il y a une personne qui devait mourir chez Mohamed Sanogo. Quand il a enchaîné, il y a une personne qu'ils ont touché. Quand j'ai parlé, là, ils ont épargné celui-là, celle-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on a détecté. On avait vu. Et il y avait les prières derrière pour celle-là. Elle a été sauvée. Mais sinon, elle partait. Maintenant, je vais vous dire, Apoutou là est déjà maintenant un gibier qu'on doit encore célébrer. Que le monde doit se glorifier. Parce qu'Apoutou est célèbre maintenant. Il faut quelqu'un pareil qui a un talent pareil. On va récupérer, frapper. Et la Côte d'Ivoire va encore mettre les mains sur la tête. Mais Bleu Brigitte là, j'ai vu, j'ai venu sur mon mur écrit, ne viens pas écrire, maman, ici c'est dangereux, c'est pas bon. C'est dangereux, révoque devant tout, va devant ton père, excuse-toi. Et ce que je dis là, je vais sauver ton enfant. Tu ne sais pas ce qu'on est en train de faire à ton enfant là. Lui, ce qu'on lui présente, et ce qu'il entend, et ce qu'il va vivre, ça sera le contraire. J'ai dit, ce qu'on lui présente, il voit, et ce qu'il va vivre, ça sera le contraire. C'est comme ça qu'on a flatté Arafat. J'ai dit, c'est comme ça qu'on a flatté Arafat. Oui, et ça risque de se passer pareil. J'aimerais dire, Kabenamji qui est mort là, il y a encore d'autres jeunes qui vont le suivre pareil, qu'on a flatté. Mais vous savez, je vais vous dire, les gens qui partent mettre la main dans la franc-maçonnerie, les gens qui partent mettre la main dans la franc-maçonnerie, les gens qui partent mettre la main dans la franc-maçonnerie ne meurent pas vite. Mais il y a ce que vous appelez les mentors ou c'est quoi, faut que les gens me donnent le terme approprié. Vous les appelez les mentors, ils ont la main. J'ai dit qu'ils ont la main, regarde comment ils sont positionnés dans les rangs. Ils récupèrent. Tu ris avec eux, ils te font la bise. Ils récupèrent. Tu ris avec eux, ils te font la bise. Ils récupèrent. Ils aiment personne. Ils ont donné toute leur vie. Ils ont sacrifié tout leur corps. Mais pourquoi maintenant? Hier, quand je dégrivais, il disait que nous vivons du sang. Et quand ils livrent une personne, les grades montent. Quand ils livrent une personne, les grades montent. Méfiez-vous de Emma Louest. Elle vit du sang. Emma Louest. Emma Louest. Écoutez, vous êtes sur Facebook en train de faire le buzz. Hein? Vous faites le buzz, mais il y a des gens qui sont naïfs. Il y a des gens qui savent même ce qu'ils ne connaissent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a des gens qui sont là pour livrer les autres.